Bonjour les amis, c'est Marlon et bienvenue pour la découverte du DLC Premium qui sort ce mardi 14 novembre. On va regarder ça et c'est un DLC qui paraît intéressant, qui peut être intéressant, mais attention, faut se méfier de certaines choses. Bonjour à tous les amis, c'est Marlon et bienvenue pour la découverte de ce nouveau DLC, le dernier DLC techniquement que nous allons avoir sur Final Fantasy 22, et pas des moindres, un gros DLC avec une map, plusieurs véhicules, plusieurs outils, et surtout des nouvelles cultures. C'est parti pour la découverte du Premium. Et oui les amis, la Premium Expansion, l'année dernière nous avions eu la Platinum, qui était un DLC forestier, qui était sans doute l'un des meilleurs DLC que j'ai eu, ce n'est jamais sorti. Et maintenant, place à la Premium, qui est un DLC qui m'intéresse énormément. Là, ça va être en full découverte, hein. Je viens d'installer le DLC, d'ailleurs il n'est pas directement disponible, mais vous pouvez d'ores et déjà le précommander. Il est à 18,99€ sur le site de Giants jusqu'au 13 novembre, donc profitez-en, c'est une petite réduction. Mais soyez encore plus malin, hein, vous avez le lien dans la description pour avoir le DLC, mais vous avez également un lien pour acheter le Season Pass. Le Season Pass, ça vous permet d'avoir tous les DLC qui sont sortis cette année. Là, vous faites une bonne affaire et une grosse économie en prenant directement le Season Pass. Donc voilà, tout est dans la description, mais la vidéo n'est pas sponsorisée, je donnerai complètement mon avis sur le DLC, vous allez le voir. Alors, on commence. Je vais peut-être vous montrer avec quoi on commence. Là, je viens de créer une sauvegarde sur la nouvelle map Zilonka, qui est une map qui se situe dans les pays de l'Est, on va dire la Pologne, hein, pour n'en citer qu'une. Regardez, alors on commence dans cette petite modeste ferme, on commence ici avec un espèce de Volkswagen combi transformé en pick-up. D'ailleurs, je regrette encore une fois que Giants n'ait pas fait de démarche pour avoir un constructeur automobile. Hein, il doit y en avoir des constructeurs automobiles dans les pays de l'Est. J'aurais adoré une Lada Niva, quoi. Bon, c'est un peu cliché, c'est un peu plus la Russie que cette zone-là, mais... Hein, tout ça, c'est l'ex-URSS, tu vois. Et j'aurais kiffé avoir une Lada. Mais bon, bref, là, j'emmerde tout le monde. On va monter là-dedans. On commence du coup avec ce premier véhicule, le Lizard Pickup 1984, mais mis au goût de pays de l'Est, tout simplement. Hein, donc en 1984, au pays de l'Est, on n'avait pas un Ford F-150. Alors j'ai des frises, c'est normal, je viens d'installer la mise à jour. Hein. Vous pouvez avoir une 4090, vous aurez des frises. Me dites pas que ça vient de mes mods. C'est à chaque fois qu'on installe une mise à jour sur Farming que ça fait des frises. Et c'est pas grave. Donc regardez, elle passe les vitesses, elle est animée. C'est quand même sympa, un beau petit pick-up qui sera pratique pour transporter notamment des palox. Je vais vous montrer pourquoi, parce que notamment les nouvelles cultures se mettent en palox. Alors, on a ensuite une petite maison ici. Je suis encore déçu que franchement on puisse pas rentrer dans la maison, quoi. J'espère qu'au prochain farming on pourra rentrer à la maison. L'aspect roleplay est tellement important dans des jeux de simulation comme ça, et le fait que là je puisse pas rentrer dans ma maison, tu vois, avoir ma petite histoire roleplay machin, c'est trop dommage. Bon, on peut dormir, on peut changer machin, mais je trouve pas ça fou. Ensuite, oh là là, Eh oui, on l'a eu en mode récemment. Alors, c'était peut-être pas exactement ce modèle-là, mais on l'a eu en mode. Et là, c'est Giants qui nous le sort. Le Fiat Turbo DT 160-90 avec une benne qu'on avait déjà sur le jeu. On a également beaucoup d'outils, hein, je vais vous les montrer. On commence avec de quoi aussi faire de multiples cultures, comme notamment ici la De Wolf qui nous permet de récolter des carottes. Mais ça, on va le regarder un petit peu plus tard dans la vidéo. Je me permets juste, avant, je vais vous montrer un petit peu la map et la sauvegarde de base avant de continuer. Ici, ça doit être un semoir pour carottes, panais, je ne sais pas encore. On va regarder ça ensemble. Et ici, on a un petit cover crop qui vient avec le DLC lui aussi, hein, Unia. Hein, ça, c'est des marques typiquement des pays de l'Est, hein, très utilisées là-bas. Et on a un poulailler. Oh, nouveau bâtiment agricole d'élevage. Un poulailler. Ah oui, on peut mettre que 20 poules. Ouais, 50 Giants, franchement. Vous auriez pu mettre 50 parce que là, 20 poules, personne va s'en servir. Non, mais 20 poules, on va jamais faire de l'argent avec 20 poules. Ils auraient pu mettre 50 voire 100 poules, hein, franchement. Parce que 20 poules, bon, il est mignon, je veux dire, le poulailler, il est sympa. Ah, mais après, ah oui, le poulailler, c'est que ça. Ok, en fait, c'est plus un hangar. Ouais, ok, ouais, un hangar slash garage, quoi. L'interrupteur, il est tellement techno par rapport au reste du hangar, j'adore. Ah, mais j'adore, c'est fantastique. Et là, qu'est-ce qu'on peut ouvrir? Ah, on peut pas ouvrir? Attends, je décale. Ça s'ouvre pas, ça. Ah, ok, bon, il y a des portes qui ne s'ouvrent pas. C'est pas grave. On a aussi un autre silo et on commence sans doute avec un petit peu de grain. Un petit peu de grain. Non? D'accord, c'est peut-être dû à la difficulté que j'ai choisi. Maintenant, les amis, ce qu'on va faire, c'est regarder peut-être. Ah oui, et une moissonneuse, mais c'est pas une moissonneuse du DLC, hein, c'est une moissonneuse classique, la Dodge Stopliner, celle avec laquelle on commence. Donc, on commence ici avec ça. On commence également avec quelques champs. Voilà, bon, c'est pas mal en soi. T'as deux champs pour commencer, c'est sympa. Mais le point faible de ce DLC, je dirais, c'est la map. Après, en vrai, il y a peut-être des gens qui aiment les pays de l'Est, mais quand on est français, vous savez, on est un peu chauvin, et franchement, on va pas se mentir, c'est pas être chauvin, c'est juste, quand t'as vu les paysages français, quand tu connais les paysages français et la beauté des paysages français, les pays de l'Est, c'est pas très beau. Alors, désolé, mais que quelqu'un en commentaire me dise qu'il a envie de vivre là. Personnellement, ça me hype pas, mais même peu importe où sur la map. Hein. En fait, on a l'impression qu'ils ont récupéré les textures du DLC bois, parce que c'est exactement la même colorimétrie, exactement les mêmes textures. Vraiment, j'ai vraiment l'impression de voir la même chose. Alors ça, ce chemin-là, peut-être pas. Autant, voilà, peut-être
peut-être il y a des petits écarts, mais j'ai quand même l'impression de voir exactement, oh non, j'ai vraiment l'impression de voir exactement la même map, sauf que cette fois-ci c'est version Pays de l'Est, donc c'est-à-dire avec des petits champs qui n'utilisent pas toute la partie qui pourrait, un petit peu déprimant, c'est plat, c'est monotone, donc en fait j'en voulais aux mappeurs des Pays de l'Est de pas faire des maps ouf, mais finalement, je vous pardonne, c'est peut-être juste le paysage là-bas qui n'est pas ouf, et du coup, bah, quand ils sont réalistes, et bah, ils font quelque chose de pas ouf. Donc en soi, c'est pas une mauvaise map, Giants n'a pas fait un mauvais travail, c'est juste que ça représente une région qui, moi, personnellement, ne me fait pas rêver, et qui, je pense, la plupart de mon public va trouver totalement inintéressante, hein, vraiment. Bon, l'avantage, c'est qu'au moins, ils l'ont fait, voilà, maintenant, place aux autres pays plus intéressants, parce que, désolé, autant en matériel, en culture et tout, il y a peut-être des choses intéressantes, et dans ce DLC, il y en a d'ailleurs beaucoup de choses intéressantes qu'on va tester dans quelques instants, mais la map, c'est la dépression, hein. Non mais enfin, c'est les pays de l'Est, les gars, c'est la dépression, c'est la dépression. Après, il y a des pays de l'Est qui sont jolis, hein. Il y a des beaux paysages, il y a le bord de mer, tout ça, mais là, la région qu'ils ont choisie, tu vois, là, il y a des endroits qui sont jolis. Voilà, ça, à la limite, l'espèce de marécage. T'as des endroits sympas, ça va encore, mais quand t'es là, dans le milieu, là, en train, imagine, t'es là en train de moissonner ce champ-là. On dirait les maps, tu sais, de FS11, quoi. Mais c'est pas un reproche que je fais à Giants, c'est juste que bah, le paysage là-bas, la zone qu'ils ont choisie, n'est pas aussi ordinaire. Et ils auraient peut-être dû être transigés un petit peu sur le réalisme pour qu'on ait quelque chose de plus joli. Mais c'est comme ça. Alors, on va commencer peut-être, enchaîner avec les plaçables qui nous sont fournis dans ce DLC, vu que je suis dans cette partie un petit peu ferme, tout ça. On va regarder ensemble. On n'a pas non plus un milliard de choses, il me semble, en plaçables. Donc qui ajouter, on a ici la grange de la ferme qu'on a vu là, hein. Donc voilà, une petite grange sympathique, ça, en vrai. Tu veux rajouter un petit côté à l'ancienne à ta ferme, c'est sympa. Ensuite on a un petit hangar qu'on a, on l'a pas du tout celui-là. C'est quoi, c'est un abri en brique, ok. Bah attendez, on va le placer juste pour voir ce que ça donne. On va le placer genre ici un petit peu en bordure. On a ce gros bâtiment, ok. En fait on a quand même pas mal de bâtiments, hein. On a quand même pas mal de bâtiments, donc ça ajoute aussi cette notion là. Je vais le placer là. On a ce bâtiment, ah non, qui n'est pas encore celui-là, eh, en fait on en a, hein. on en a des bâtiments, eh ouais. Ils en parlent pas autant sur la page du DLC. Mais finalement, bonne surprise. Pas mal de bâtiments qui s'ajoutent. Niveau silo, rien de nouveau. Niveau conteneur, rien de nouveau. Niveau outil, rien de nouveau. Niveau corps de ferme, on a pas mal de nouvelles maisons, mine de rien, hein. On a celle-ci, sympathique. On a celle-là, sympathique aussi, mais aucune, on peut rentrer dans aucune, donc c'est quand même assez triste. Et celle-là, ouais, oh, c'est sympa, ça fait presque style anglais, tu vois. Ça, franchement, je pense que les mappeurs anglais vont kiffer. Ok, on a quand même un petit peu de contenu. Niveau usine, on a, bah voilà, dans le style, quoi. Ils ont changé la boulangerie, qui a un nouveau style. Ils ont changé la laiterie. Oh, elle est très belle. Oh, elle est très belle, leur laiterie. La nouvelle laiterie est très sympa. Franchement, très sympa. Usine de traitement de patates, sympa aussi. Ouais, franchement, ça peut être utilisé en France, ça. En fait, c'est bien. Il y a certains bâtiments qui marchent très, très bien en Europe de l'Ouest aussi. Donc, ça va permettre aux mappeurs de faire des choses. Ah, bah non, parce qu'il faudra le DLC. Bon, ça va permettre, en tout cas. Ça va permettre, nous, quand on aura le DLC, de placer des choses, quoi. Basiquement. Ok, c'est pas mal. Et niveau animaux, rien de nouveau, si ce n'est les poules, j'imagine, qu'on... Ah oui, ok, des déclinaisons de différents bâtiments. Là, on peut y mettre 20 poules aussi. Ah, en fait, ok, c'est des bâtiments de plus en plus gros qui peuvent mettre des poules. Oh, on a un abri pour cochons. Attends, on va regarder ça. Je vais le placer ici. Et sinon, chevaux, vaches, on n'a rien. Et moutons, on n'a rien. Ok. Abeilles, on n'a pas de truc spécial Pays de l'Est. Ni une niche spéciale Pays de l'Est. Donc voilà, à peu près. Après, j'imagine qu'il y a sans doute, voilà, des petites décorations. Notamment ce petit garage là, bien sympathique. Ah oui, ça fait vraiment Pays de l'Est. Hein. Pas se mentir, ça fait vraiment Pays de l'Est. Et voilà, t'as plein de petits garages, de petites remises comme ça, qui sont bien sympathiques. Donc, ils ont quand même bien enrichi les bâtiments du jeu, et ça va être sympa. Bon, après, je vais pas m'attarder une heure sur chaque bâtiment. Juste, voilà, à chaque fois, c'est extrêmement bien personnalisé. C'est Giant Software, hein, donc forcément, les mecs savent faire un jeu, et savent faire des éléments pour leur DLC. Après, voilà, on aime ou on n'aime pas le style. Je trouve que, voilà, moi, ça, ça me va, moi. Franchement, je trouve que c'est utilisable dans toutes les fermes un peu européennes. Alors, peut-être un peu moins ça. Hein. Ça fait vraiment Pays de l'Est. Mais regarde, un bâtiment comme ça, c'est nickel. Un bâtiment comme ça, c'est parfait dans n'importe quelle ferme. Hein. Ça fait un peu... Oh, en vrai, non. En Allemagne, t'en as, hein. Un bâtiment comme ça. Celui-là, excellent. Celui-là, il est génial. Franchement, je trouve qu'on est quand même plutôt bien fourni. Et ici, c'est la porcherie. Voilà, une petite porcherie. Bon, voilà, hein, c'est Pays de l'Est size, hein, évidemment. C'est pas la folie. Ouais, on a des box là, et en fait, enfin, on a des cases et ils dorment à l'extérieur. Bon, c'est pas grave. Mais voilà, ça a de la gueule quand même. Ça a de la gueule. Franchement, c'est quand même très bien fait. On aime ou on n'aime pas le style, mais on peut pas dire qu'il n'y a pas eu de boulot là-dessus. Et c'est très sympa. Maintenant, passons, les amis, aux véhicules. Et après, on passera aux cultures. Bah, niveau véhicule, il y en a un que j'ai oublié qui était un petit peu plus loin, qui était ici. C'est le Zetor Crystal 16045. 16045, je sais pas comment ça se dit chez Zetor. C'est un bon, pareil, hein. C'est voilà, c'est très Pays de l'Est. Je l'achèterai jamais. Mais pour ceux qui sont
intéressés, le voici. Voilà, pour ceux qui attendaient le Zetor Cristal impatiemment, j'en ai jamais vu dans ma commu, mais j'imagine que dans les pays d'Est, c'est un tracteur mythique, hein, voilà, donc forcément, c'est très sympa. Ça fonctionne très bien. Ah oui, j'ai le mode saison activé. Donc voilà, c'est absolument sympa, hein, ça marche très bien, c'est très joli, les sons sont bons, ça passe les vitesses. C'est très bon, c'est un très très bon tracteur ce Zetor, franchement. Mais faut aimer le style. Et le dernier véhicule, sans compter les automoteurs évidemment, c'est ce Winnea Excellent. On pourrait croire un Dotsvar, mais c'est pas brandé Dotsvar, c'est Salek. Et ça vous permet d'avoir franchement un beau petit tracteur pour le maraîchage, les vignes. Bon, surtout pour le maraîchage, j'ai l'impression. Il fonctionne bien, il va à 30 km/h. Bon, sans cabine, etc. Mais voilà, ça fonctionne bien. Non, c'est joli, franchement. Ouais, il est très bien animé. Et t'as l'impression qu'il trace de ouf vu qu'il est tout petit et qu'il va à cette vitesse-là. Mais bon, pas tant que ça, hein. D'ailleurs, pour les caractéristiques, celui-ci fait 59 chevaux, n'a pas de configuration. Celui-ci fait 150 chevaux, on peut y ajouter une masse à l'avant, mais pas de relevage. Et on peut y mettre des configurations de roues, donc pneus étroits, etc. T'as plusieurs marques, Trelleborg, BKT, Michelin, donc là-dessus, c'est assez fourni. Et on peut également changer sa couleur pour l'avoir en bleu. Et pour le Fiat, on a un peu plus de config, on peut le passer de 160-90 DT à 180-90 DT. Il passe donc à 180 chevaux. Et on a différents pneus également. On peut choisir d'y mettre ou non les garde-boue et un chargeur. C'est quand même plutôt, enfin plusieurs chargeurs d'ailleurs, qui sont quand même plutôt pratiques pour de l'élevage notamment. Ensuite les amis, nous allons parler des cultures. Alors je sais qu'en véhicule j'ai oublié quelques automoteurs, on va en parler hein, dans quelques instants, vous inquiétez pas. Mais je sais que vous attendez tous impatiemment de voir la récolte de carottes, la récolte de betteraves et la récolte de panais. Mais écoutez, c'est parti. Alors contrairement aux autres cultures, il n'y a pas récolte de carottes, récolte de panais, c'est dans technologie maraîchère. Et donc dans ces technologies maraîchères, on a tout ce qui a trait à l'entretien de tout ça. Donc là c'est quoi, c'est... Ah c'est quoi ça? Oh c'est hyper stylé, j'avais jamais vu ce genre de machine. C'est pour rendre la terre Ah c'est pour merde, comment on dit pour les patates? Vous avez le terme en commentaire, vous allez me le donner, je l'ai oublié. Mais c'est vraiment stylé. C'est à créer des sillons, oui voilà. Bon après il y a un vrai terme hein, que je connaissais, je l'ai plus en tête. Mais ah c'est stylé ça. Ok on va essayer ça, on va essayer. Ensuite vous avez ici ce qui vous sert à semer sur ce que vous venez de faire. Donc vous avez évidemment des tailles qui sont adaptées. Donc 3 ou 6 mètres. Donc les 3 fonctionnent hein, pour carottes, panais et betteraves. Et enfin la récolteuse qui récolte sur un rang. La récolteuse qui récolte sur un rang mais avec une trémie. Enfin celle-ci a une trémie aussi non? C'est quoi la différence? Ah il y en a une qui est tractée, une qui est portée. J'ai l'impression. Ok, on va les essayer de toute façon. Ici, oula, une qui prend sur 2 rangs. On double la surface de travail. Attention. Et ensuite ici, une autre qui prend sur un seul rang. C'est assez particulier parce qu'elles ont l'air d'avoir à peu près toutes les mêmes caractéristiques, mais elles sont sans doute différentes, donc on va les essayer. Et aussi, après, quand vous avez plus de moyens, vous avez la seule automotrice de chez DeWolf, qui n'est pas donnée, 637 000 euros, mais ça a l'air pas mal. Donc on va essayer tout ça, allez, on essaye toutes les récolteuses, je les achète. Alors j'ai acheté à peu près toutes ces machines, on va commencer par un champ de carottes. Alors regardez, ici j'ai un champ de carottes, ici j'ai un champ de betteraves, et derrière j'ai un champ de panais, donc on va pouvoir tester les 3. Et franchement, je dois dire que là-dessus, James n'a pas été feignant. Ils auraient pu juste faire des carottes et tout le monde aurait été content, franchement tout le monde aurait été content. Mais franchement là je dois dire, des fois on critique, mais là ils ont été très bons. Ils se sont dit non, on va pas ajouter que les carottes, on va ajouter les panais vu que c'est quand même assez proche, et on va ajouter aussi les betteraves rouges hein, c'est pas des betteraves sucrières. Donc franchement GG Giants, parce que moi franchement j'aurais pensé que vous sortiez juste les carottes, et pas du tout. Là ils ont vraiment bossé leur truc, et ils sortent pas qu'une seule récolteuse. Ils auraient pu sortir juste la récolteuse automotrice comme ils font très souvent, et non là on peut en faire avec tout. Et il y a un boulot monstre hein. Les machines sont magnifiques là de chez DeWolf. Après voilà, c'est un nouveau partenariat, donc forcément, il fallait mettre le paquet. Mais si on a cette qualité de machine, franchement, pour le prochain farming, on sera très content. On espère juste un meilleur moteur, parce que le Giant Sunshine commence à être un peu vieillot. On va pas se mentir. Alors, quand vous rentrez ici, alors c'est pas la plus petite machine celle-là, c'est une intermédiaire. Alors oui, j'ai un tracteur avec... J'ai un tracteur qui est articulé, ce qui est peut-être la pire idée, mais c'est pas grave. Après, je vais jouer au volant. D'ailleurs, ce volant, si vous voulez le voir, les amis, c'est dans la vidéo de dimanche que je vais le tester. Très bon volant, mais je peux pas encore vous en parler. Enfin, si, techniquement, je pourrais vous en parler, mais je préfère vous laisser attendre dimanche. Alors, déplier la buse. Donc, on peut déplier la buse. Ah, mais là, d'ailleurs, il va falloir le faire parce que il me semble que quand on active ici, si j'ai pas de benne en dessous, ça va aller par terre. Allez, c'est parti. On avance. Alors, j'ai déjà commencé un petit peu. Regardez. En fait, on peut. Ouais, c'est un peu bugué. On peut essayer d'avoir 2 rangs si on se débrouille pas trop mal en se mettant entre les deux. Et ah c'est stylé hein. Regardez ça. Ah ouais c'est vraiment en 3D hein. C'est pas une image qui est posée dessus. Là dessus je dois dire très stylé hein. Et donc regardez, là on coupe le haut et on garde ensuite que les carottes, alors qu'elles sont mises pour le moment par terre. Je vais avoir des carottes de perdu parce que j'ai pas de remorque qui me suit, ou alors de palox. Mais stylé. Donc là la petite récolte comme ça. Ensuite je vous montre
On va passer aux betteraves. Donc là, cette fois-ci, j'ai mis un tracteur complètement overkill. Mais au moins, j'ai une trémie. Donc c'est ça aussi la différence entre toutes ces machines. C'est qu'on va avoir des trémies, on va avoir différentes choses. Oh, mais attends! Mais ça remplit direct les palox, ça. Attends, j'ai l'impression. Parce qu'en fait, regardez, dans le DLC, on a des palox. Je suis en full découverte, les gars. Je connais vraiment pas ça. Je fais pas de carottes, moi. Je comprends bien. Je suis pas dans le carotte game. Donc là, on peut acheter des caisses à légumes. Ouais, des palox, quoi, en gros. Hein. C'est The Wolf qui les fait aussi, apparemment. Et alors, attends. Alors, si je me mets là, ça, je peux le poser là. Ou ça va les générer tout seul. Je sais pas du tout encore comment c'est géré. Hein. On peut mettre un ouvrier d'ailleurs. Aucune caisse à légumes disponible. Ah, si, si, c'est bien ça. Charger les caisses Y. Lever la plateforme. Ah, charger les caisses avec Y. Ah, ça doit être genre comme un pick-up Arcusin. Génial! Génial, les gars! Oh, c'est quand même incroyable. Oh, c'est là, là, franchement, c'est la folie, les gars. C'est la folie, c'est génial. C'est sublimissime. Ok, ok, achetez ce DLC. Achetez ce DLC, les gars. Ah, mais là, je suis amoureux du DLC. Hein. Ah, mais là, ça y est. Là, ils m'ont eu, Giants. Ils savaient comment m'avoir. Ah, non, mais là, c'est la folie, les gars. Donc là, hop, on replie. Oh, mais c'est trop bien. C'est incroyable. Alors, c'est pas dans le bon sens, parce que vu que j'ai semé avec la console, forcément, c'est pas dans le bon sens, mais on s'en fout. L'idée est la même. Et donc là, hop, les betteraves. Oh, regardez là. Regardez-les, les belles betteraves rouge-violette, là. Excellent. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Et donc ensuite, ça charge dans les palox. Oh, c'est génial. Non, mais vraiment, là, c'est excellent. Ah, mais là, je suis en kiff total. Vous n'avez pas idée à quel point. Vous n'avez pas idée à quel point. J'ai envie de faire ça pendant des heures. Alors, ça va peut-être vite me saouler, mais d'en partir de rien, je vous le dis, on va investir dans des cultures comme ça. Hein. On va partir à faire des cultures comme ça. Et ça va tellement nous faire kiffer. Ça va changer des patates, betteraves, maïs habituels. Là, au moins. Oh ouais, là, vraiment, c'est hyper important ce qu'ils ont fait, Giants. Ça va nous permettre de tenir encore la dernière année là, qui nous reste avant le prochain farming qui sortira logiquement le 25 novembre 2024. Si je ne dis pas de bêtises, hein, mais normalement, ça devrait être ça. Franchement, c'est incroyable. C'est géant. Hein. C'est géant. Alors là, j'en ai. Attendez, on va refaire un tour. Juste histoire que de voir ce que ça fait quand ça remplit un palox. Ah, oh, c'est trop bien. Hop, j'active. Est-ce que ça le décharge ou pas? W. Ah, on peut décharger les caisses, ouais. Mais alors attends. Est-ce que ça le fait tout seul quand elles sont pleines ou pas? D'ailleurs, regardez, ça marche bien. Hein. Ça attend bien que les betteraves soient en haut. Alors bon, par contre, les betteraves, une fois qu'elles sont là, on sera un peu sur Minecraft, quoi. C'est une plaine plate, transparente. Pas comme là où elles sont en 3D. C'est un peu dommage d'ailleurs. Mais bon, allez, à la limite. Ah, ça y est, j'en ai une de pleine. Du coup, si je fais W, décharger les caisses. Ok, ça me les décharge réellement. Et là, hop, je peux récupérer celle-ci. Enfin, ça me les décharge toutes du coup. Mais incroyable! Elle est trop bien! Alors celle-là, c'est la meilleure machine pour le moment que j'ai testée. C'est la meilleure machine. Hâte de voir la prochaine. Ici, c'est à peu près le même concept, non? C'est à peu près le même concept. Si je fais X, ça fait quoi? Ah non, là, c'est une trémie. Donc là, on a une double, entre guillemets, récolteuse. Déplier, activer, plier, baisser. Commencez par déplier la buse. Ah, il faut... Ah non, sur celle-là aussi, il faut la buse déplier. Donc vous allez voir, on va avoir un peu de perte, évidemment, vu que bah, j'ai rien à mettre en dessous. Hein. J'ai pas de benne à mettre en dessous, vu que je suis en solo. Mais vous comprenez l'idée. Donc là, on va regarder la gueule des panais. Voilà, des espèces de carottes blanches en fois. Hein. Voilà, c'est très stylé. C'est très stylé. Et oh là là, incroyable. Hein. Les animations, franchement, elles sont très très bien gérées. Je vais mettre en ligne droite et après, je vais mettre un ouvrier. Comme ça, on va pouvoir regarder ça de plus près. Je pense que, franchement, c'est leur plus belle machine. Avec la moisson de maïs aussi, qui est absolument incroyable. Allez, l'ouvrier. Ah oui, alors il va pas avancer vu qu'il n'y a pas de buse, évidemment. Vu qu'il n'y a rien en dessous. T'es chiant, l'ouvrier. Bon, bref, ouais, t'es chiant, l'ouvrier. C'est con qu'on peut pas bloquer le régulateur sans être dedans. Mais bon, regardez ça. Franchement, excellente, quoi. L'animation est juste folle. Ah, vraiment, ça rend très très bien. Alors après, on a deux autres machines que je teste pas en soi parce que ça m'a l'air d'être à peu près le même concept. Oui, ça a l'air d'être à peu près ça. Sauf que avec celle-là, du coup, on doit avoir, j'imagine, une trémie. Ah oui, voilà. Celle-là, elle fait partie des rares, peut-être même la seule, qui a une trémie, tout simplement. Donc, on a 5,5 mètres cubes. C'est pas énorme, mais en soi, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et là, c'est la plus petite des machines, en soi. Hein. C'est la moins chère. C'est pour vraiment commencer. Mais pourquoi pas, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire pourquoi pas. Enfin, les amis, on va tester ce que vous attendez tous. C'est l'automoteur. L'automoteur qui se déplie et qui, j'imagine, lui, a une trémie. On lui souhaite quand même. Non, il n'y a pas de trémie. Mais c'est un enfer. Mais c'est un enfer. Il n'y a pas de trémie sur un automoteur. Ah ouais, donc là en fait, si t'as personne qui peut te suivre avec une benne, c'est pas la peine. Oh, le moteur à l'arrière, regardez-moi ce magnifique 600 lignes. Il est géant le moteur. Hein. Il est, faut se rendre compte de la taille du moteur. Hein. Avec le clapet sur l'échappement là, ah, trop stylé. Regardons l'intérieur. Ah ouais, 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 bon, c'est des fausses caméras. À mon grand regret ici, c'est des fausses caméras. C'est con. Après, je pense que ça ferait énormément laguer hein, de mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 points de vue en plus. Donc 12 avec le point de vue du joueur plus les rétros. Là, je pense que sur console, autant sur PC avec des gros PC, ça fonctionnerait. Autant les mecs qui jouent sur PS4, ce serait terminé. Hein, ce serait terminé pour eux. Mais la machine ne reste pas moins incroyable. L'intérieur reste quand même très, très bien fait. Et voilà, les carottes montent ici. Donc c'est génial. Ensuite, elles se séparent de leur touffe, là. Hein. Voilà, tout simplement, épilation. Hein. Épilation de la carotte. Et atroce. Et ensuite, ça tombe ici. Et c'est génial. Hein.
Oh. Eh, c'est incroyable. Non mais je suis en kiff total là-dessus. Hein. Vraiment. Là c'est un kiff géant. C'est génial quoi. Ah mais le DLC, franchement, j'étais très sceptique quand j'ai vu la map. Mais quand je vois les véhicules et les nouvelles cultures, ça me paraît être le DLC. Si vous deviez en choisir qu'un seul sur tout Farming 22, je crois que c'est celui-là qu'il faut choisir parce que la nouvelle culture c'est tellement bien quoi. Oh, c'est génial, enfin les nouvelles cultures. Maintenant ce que je vous propose les amis, c'est qu'on termine cette vidéo par regarder le reste du matériel. On va aller au concessionnaire, il est où ce concessionnaire? Alors le concessionnaire il est ici, ah bah il est juste en face de la ferme. Petit concessionnaire, regardons la gueule qu'il a d'ailleurs, est-ce qu'il sera réutilisable pour des mappeurs et tout? On peut pas rentrer dedans, sans déconner, qu'est-ce que c'est dommage. Mais c'est trop dommage, il est complètement fait en plus. Ah bah il est joli, ouais il est sympa, bon c'est un peu miteux, c'est un peu pays de l'Est, mais c'est sympa. Alors qu'est-ce qu'on n'a pas encore acheté dans ce DLC les amis? On va regarder ensemble dans la boutique et ensuite in-game. On a un pack de faucheuses Samas, donc c'est cool. En plus, c'est pas des faucheuses immenses, donc ça concurrence bien. Ah, 9m4 quand même à tapis. Eh, c'est pas ridicule. Non, j'ai rien dit, c'est pas ridicule en fait. Les Samas à tapis en plus, franchement, c'est génial ça. Le tapis, pour ceux qui savent pas ce que ça fait, en gros, c'est bah, là, ça fauche, là, c'est la partie faucheuse. Et ensuite, ça, c'est des endaineurs à tapis qui vont ensuite, bah, vous choisissez, soit mettre d'un côté, soit mettre derrière. Bah, le mieux, c'est pour mettre au centre, hein, sinon ça sert à rien. Mais c'est plutôt sympa. Assez sympa, franchement, comment ça fonctionne. Ici. Rideau à andin. Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Tu peux avoir une faneuse qui a un rideau à andin. Ok. Très sympa. Ensuite, vous avez tout simplement ici des sarcleuses. Voilà, différentes sarcleuses. Très sympa, les petites sarcleuses Gorenk. Une benne farmtech. Bon, moi, ça me fait jamais rêver. Mais on est en. Tu vois, on est dans le thème, quoi. Je peux pas leur en vouloir d'avoir mis une peine farmtech. Un petit épandeur à fumier. Très sympa, très sympa, très sympa. Il est... Ouais, franchement, c'est bien. Il me fait penser un peu aux épandeurs que fait Simulagri. Ça fait un petit peu de diversité sur le jeu de base. Ensuite, attends, on va s'avancer un peu, sinon on va mettre toutes les machines au même endroit. Donc, j'ai acheté un cover crop. On a ici un semoir. Il est pas mal, ce semoir. Alors, 3 mètres, 140 chevaux. Je trouve toujours ça un peu dur. Après, c'est du semi direct, donc forcément, ça nécessite un petit peu plus de puissance, vu qu'il y a un petit peu de travail de terre. Mais voilà, toujours un peu plus relou. Ensuite, oh, Farmette sympa! 330 chevaux. On est en pays de l'Est là ou quoi, les gars? 550 chevaux! Ok, là on a du culti quand même. Hein. Et ça, c'est du culti, mon gars, tu retournes la terre. Hein. Regarde comment les dents elles sont profondes, c'est pas mal. Semoir 6 mètres, sympa parce qu'on en a pas forcément énormément des 6 mètres. C'est une gamme qu'il fallait améliorer, donc là de chez Farmette, 6000 litres. Peut-on y mettre engrais? Oui, on peut y mettre engrais et semences en plus. Génial. Ensuite, on a un ensemble Bednard en 8 mètres. C'est du semi ça? Ah non, ça c'est. Ah non, c'est une herse rotative avec un ventil. Putain, c'est génial. Eh non, mais il y a quand même. Non, mais je conseille franchement ce DLC. Je suis pas payé pour le dire, sinon j'aurais bien parlé de la map. Je déteste la map, franchement, je jouerai jamais dessus. Mais le DLC est génial. Enfin, regardez le contenu, quoi. C'est affolant. Je crois qu'on n'a jamais eu un aussi bon DLC de l'histoire de Giant Software. Dommage, franchement, imaginez, ils avaient fait une map pas dans les pays de l'Est, mais du coup, bon, le thème aurait été différent, mais ça aurait été un perfect, quoi. C'est pour ça que je peux pas lui donner un 20 sur 20, mais c'est quand même très bon. Oh, ok. Donc là, on a possibilité d'avoir arrivée de semences. Ah non, distribution d'engrais. Je me disais aussi, ça ressemble pas. Hein. Ok, on peut distribuer de l'engrais pendant qu'on passe le décompacteur. Si je ne m'abuse, très sympa. Et on a une gamme Bednar qui est énorme. Hein. Attendez, mais j'ai rempli quoi. Regardez. Et encore, là, j'achète que les trucs qu'on n'a pas encore vus. Donc dites-vous que c'est un DLC de malade hein, quand même. Et puis voilà, encore une fois, la map, on peut pas leur en vouloir. Les goûts et les couleurs, j'ai envie de vous dire. On va tout acheter. On n'essaiera pas tous les outils. Vous doutez bien que sinon la vidéo ferait 50 heures. Et que ce n'est pas forcément intéressant. On a été où? On a été là. Ensuite, ici, on a quoi? Ah, bah c'est l'arrière du semoir. C'est l'arrière de la trémie de semoir qu'on a acheté qui était ici. Donc là, vous avez la trémie. Là, vous avez le semoir qui va avec. Hein, tout simplement, si on va dans combinaison, vous le voyez, hein, ça fonctionne très bien. Ensuite, on a... Oh, sympa un pulvé traîné. Très sympa, 36 mètres ou 27. Donc sympa, pneus, voilà, t'as différents pneus, machin. De chez Agrio, une marque qu'on n'avait pas encore, je crois. Ok, double essieu, c'est assez rare. Mais si, c'est sacré wagon, c'est un 13500 litres quand même. Et pareil, c'est la même gamme sinon. Hein, t'es sur du 27 ou du 36 mètres. Avec une E3. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah bah oui, et le gros de la gamme, pareil, c'est soit 27, soit 36 mètres, mais cette fois-ci, en automoteur, ça me fait énormément penser au Amazon Pantera. C'est pas la même chose, hein, mais la cabine, c'est celle du Amazon Pantera, on dirait. Hein. Pour ceux qui ont la ref de ces vieilles machines, enfin, vieilles machines, ils en font, hein, mais ça faisait longtemps qu'on l'avait sur Farming, nous, le Pantera. Alors, il faut de la place, hein. Et j'en suis que là, hein. Donc ensuite, on a tout ce qui est travail pour créer les sillons. Alors, on va pas essayer celui-là, nous, on essaiera le gros.
Ah ouais, en fait t'as le choix, soit en 3 points avec attelage arrière pour pouvoir ensuite directement mettre la planteuse. C'est génial, enfin, ils appellent ça une planteuse, mais c'est un semoir parce que c'est des semences dedans, c'est pas des plants. Donc très sympa, et ensuite t'as le combo là. Par contre celui-là, impossible, c'est pour ça en fait. 6 mètres ça peut paraître intéressant, mais tu vas devoir passer deux outils. Alors qu'avec le 3 mètres, tu sèmes et tu bines entre guillemets avec les deux quoi. Donc là-dessus c'est sympa. Et enfin on a, voilà, fourche à palox. Très pratique. Et ça, c'est une fourche à palox pour 3 points, si je ne m'abuse. Ah non, pardon. Non, c'est toujours pour relevage. J'ai pas d'infos là-dessus. Et ici, on a, voilà, c'est une pelle pour les légumineuses, comme les carottes, tout ça, j'imagine. Et on a le fameux palox qu'on a acheté tout à l'heure, qu'on peut acheter par 4. Et ça coûte pas extrêmement cher en plus, donc ça va, c'est abordable. Et maintenant, on va tester, dernière chose qu'on va tester dans cette vidéo, c'est ici, la bineuse pour mettre les carottes. Donc on va tester celle-là en soi parce que je trouve qu'on verra mieux. Après c'est vrai que le combo est pas mal. Ouais, le combo est pas mal. Mais attends, mais c'est pas assez large le combo aussi? Ah mais ça doit se déplier. Bon allez, on va essayer le combo. Ok, vous m'avez vu, on va essayer le combo. On va essayer les deux. Vous savez quoi, on va essayer les deux, c'est cadeau. Alors attends, j'essaie de voir comment ça fonctionne pour l'attelage. Donc ça s'attelle comme ça. Jusque là, on n'est pas sur la surprise de l'année. Ensuite je baisse, je recule et j'attelle. Ok, et on peut déplier j'imagine l'arrière. Comment on le déplie? Ça me paraît pas assez large en fait. Sélectionner semences betterave, carotte, panais. Ok, là-dessus tout va bien. Enlever la bâche, c'est pour ouvrir l'arrière comme ça. Ah mais non, c'est aligné, regardez. C'est aligné sur les... Je suis con en fait, je voulais que ça prenne aussi large, mais pas du tout en fait, c'est au centre les... Non mais j'étais pas dedans, là, j'étais pas dedans les... Allez, on va commencer avec ça par exemple. On baisse, on active derrière aussi. Ah, oui, j'ai pas rempli. On peut mettre que 16 litres de semences. On va y mettre peu importe quoi, ça changera rien. Et donc regardez, donc là au début, j'ai semé mais sans préparer la terre. On voit directement la différence. Donc après là je peux lancer un ouvrier en fait. Voilà, j'ai un ouvrier dedans. Donc les ouvriers peuvent le faire. Bon, il est pas, c'est pas, la texture est pas alignée hein, sur ce qui est en train d'être fait. Donc pour le moment c'est un peu moche. Mais attends, on va tester sur celui-là, peut-être que ça sera mieux aligné. Bon alors, si je baisse et j'active. Ouais, en fait c'est à vous d'être aligné. Ouais, c'est le problème de la texture, elle peut pas exactement être alignée par rapport à la bineuse là. Mais ouais, c'est ok. Ouais, bon, c'est stylé. Ça fonctionne, je veux dire. Après, pour le prochain farming, essayez de nous aligner ça un peu mieux parce que c'est un peu moche quand même. On va pas se mentir. On n'a pas l'impression que ça sort. Ah, si, ouais, on peut s'aligner. Mais ça sera pas forcément aligné à ce que vous faites, quoi. Mais bon, forcément, c'est parce que les textures, elles sont dans une certaine résolution du sol. Et le terrain a une certaine résolution pour pas que ça lag. Et ils ont pas trop le choix. Peut-être qu'ils arriveront pour le prochain farming à changer tout ça. Voilà, les amis, je crois que nous arrivons au terme de cette vidéo. Il y a peut-être encore pas mal de choses qu'on aurait pu tester, notamment dans tout ce matériel. Hein. Franchement, là-dessus, on sait qu'on est très très bien niveau matériel. Et c'est du matériel utile, j'ai envie de dire. Parce que, bon, ça avec le Antonio Carraro, 15 tracteurs de 20 chevaux, on s'en fout. Là, chaque semoir, chaque cultivateur, je me vois l'utiliser à un moment, tu vois. C'est pas que des cultis 3 mètres qui servent à rien et qu'on a déjà en 50 exemplaires. Là, je trouve que les mecs ont fait un très très bon boulot chez Giant Software. Et que c'est une herse rotative de cette taille, je veux dire, c'est fantastique, quoi. On n'avait pas ça. Le semoir, là, il est génial. Il est génial. Alors, il va pas avec ça, hein, mais vous voyez ce que je veux dire. Ici, des compacteurs de zinzin, hein, qu'on avait depuis longtemps en mode, hein, je crois, celui-là. Ah non, c'était le Alpego qu'on avait. On l'avait peut-être pas, celui-là. Ensuite, ici, un petit cover crop, un épandeur à fumier, une grosse benne ici avec deux essieux arrière, un essieu avant. Ça peut servir, tu vois. Il y a plein d'usages qui peuvent rendre cette benne utile dans n'importe quelle map. Ensuite, ici, des herses et ces faucheuses que j'ai hâte d'utiliser, qui ont l'air vraiment sympa. L'arrière du semoir, des pulvées qui vont être pratiques parce que c'est pas des pulvées 5 mètres. J'aurais bien aimé un tout petit pulvé, tu vois. Pour aller avec le style de la map, un tout petit pulvé, un pulvé 10 mètres. C'est vrai que dans un partir de 1, quand je commence, des fois, il me faut rapidement un pulvé et ce genre de pulvé, je peux pas me permettre de les acheter. Donc ça aurait été sympa, un petit pulvé, tu vois, un Krukia, je sais pas quoi comme marque, mais ça aurait été sympa. On va regarder quand même l'intérieur de celui-là. Ok, oui, bon, c'est assez basique. Ah, mais non, c'est une cabine classe, exact. Ok, donc c'est une cabine classe. Oui, bah oui, maintenant que vous le dites, on reconnaît bien notamment ça. Et oui, bah oui, mais non, mais en fait, c'est une cabine de Xerion. Je suis con. Mais carrément, carrément une cabine de Xerion. Je sais pas pourquoi, j'ai pas de tilt. Je me disais, j'avais vu ça quelque part. Après, c'est un peu profilé aussi comme les Amazon, mais c'est une cabine de Xerion. Donc voilà, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était un réel plaisir. N'hésitez pas à l'acheter si vous êtes intéressé. Pour moi, c'est le meilleur DLC, il y a moyen. Mais très déçu par la map. Mais d'un côté, j'en veux pas à Giants. C'est les pays de l'Est, c'est pas forcément ma tasse de thé. Allez, il y a cette énergie. Ciao tout le monde.